confirme même la nature à travers plusieurs catastrophes sans précédent qui s'accumulent dans le monde depuis quelques temps. Les cas de l'Égypte où des pluies torrentielles ont déclenché des attaques des scorpions. 4 morts et plus de 500 personnes piquées. Et pendant ce temps, la Russie, elle, annonce avoir testé avec succès un tir de missiles de croisière hypersonique Zircon que Moscou juge invincible et qui inquiète les États-Unis d'Amérique. Regardez ça. Le monde, toujours et encore dans les tourments. Les choses vont de mal en pis. Approuvons les déclins tranquilles de notre civilisation. Divers signes de la fin des temps sont visibles chaque jour. La Russie vient de tester un nouveau missile hypersonique Zircon qu'elle juge invincible et qui inquiète les Occidentaux, dont notamment les États-Unis d'Amérique. Et pendant ce temps, plusieurs faits inhabituels sont enregistrés à travers le monde. Comme ici en Égypte, où les pluies torrentielles et tempêtes de sable ont eu un effet dramatique assez inattendu. Des pluies torrentielles sans précédent depuis 11 ans ont fait sortir en l'espace de quelques heures des milliers de scorpions venimeux qui ont piqué plus de 500 personnes. 4 d'entre elles sont morts, a indiqué le ministère de la Santé, lorsque leurs maisons se sont effondrées sous la pluie et la grêle. La scène fait froid dans le dos. Ces scorpions très dangereux sont une variété appelée Androctonus, également surnommée tueur d'hommes. Ils ont un venin potentiellement mortel pour les enfants ou les personnes âgées. Le phénomène a été déclenché par des orages très violents avec de fortes pluies dans cette ville d'1,5 million d'habitants située dans un site magnifique au bord du Nil, au sud de l'Égypte. Des catastrophes naturelles se font également sentir en Italie. Le gouvernement sicilien a décrété l'état de crise régionale et d'urgence pour l'île de Vulcano. La décision a été prise en raison de l'augmentation de l'activité volcanique sur ces volcans. Même scène en Inde, où depuis le début de l'année, plus d'un millier de personnes sont mortes dans des catastrophes naturelles. 3 cyclones, des canicules en série, des sécheresses suivies de pluies torrentielles et d'inondations. Puis, ce détachement d'un glacier dans l'Himalaya, qui a causé plusieurs dégâts. Ces signes rappellent aux croyants que la fin est plus proche que jamais. Préparons nos lampes, car l'époux est à la porte. Ah!